Sept mois après la chute du pouvoir au Gabon, plusieurs hautes personnalités politiques, membres du bureau du Parti démocratique gabonais, quittent le navire. Ce n'est visiblement pas le cas de Julien Kogebekele, ancien Premier ministre, qui, sans avoir eu à participer aux dernières assises du parti il y a quelques jours, était face à la presse ce 19 mars pour affirmer sa loyauté et son appartenance, tout en faisant son mea culpa au peuple gabonais. J'ai eu le privilège et la chance de faire partie de cette nouvelle génération, avec de nombreux autres compatriotes bien formés, intelligents, compétents, intègres et de grande probité. Parmi cette génération, il y a eu certains qui ont péché soit par ignorance, soit par action, soit par omission. Mais qui n'a jamais péché et qui ne s'est jamais trompé? Oui, nous nous sommes trompés. Je le confesse et je l'admets. Peut-être n'avons-nous pas été assez courageux pour dénoncer les dérives observées. C'est ici que je voudrais évoquer avec vous ce passage de la Bible, dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 8. C'est pourquoi, à mon nom personnel, en tant que militant du Parti démocratique gabonais, et en tant que croyant, je fais repentance et sollicite le pardon et l'indulgence aux Gabonaises et aux Gabonais pour les erreurs commises et pour les positions controversées que j'ai pu défendre dans le passé. Mais qui est donc finalement coupable du chaos engendré et entretenu par le parti au pouvoir, si aujourd'hui plusieurs calibres de cette formation politique disent n'avoir pas approuvé tout ce qui se faisait? L'ancien Premier ministre a également profité de l'occasion pour partager un certain nombre de propositions pour la reconstruction du pays. Je propose qu'on crée une instance constitutionnelle chargée d'organiser des élections indépendantes dans la Constitution. Il faut décharger cette institution du contentieux électoral et créer une cour électorale suprême, différente du conseil de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle deviendrait le conseil constitutionnel et serait chargé de s'occuper des questions de constitutionnalité des lois. Sur la question de l'éligibilité à la fonction présidentielle, oui, j'ai entendu des voix s'élever pour dire qu'il faut être gabonais de père et de mère, eux-mêmes gabonais d'origine. Je partage cette analyse. Je n'ai pas plus de commentaires à faire. Julien Kogebekele serait-il en train d'annoncer son entrée dans la grande famille des acteurs de la transition? Mon engagement politique, mon expérience, mon parcours professionnel et politique m'incline naturellement à répondre positivement à l'appel des autorités de la transition pour reconstruire le tissu national gabonais abîmé à bien des endroits. Servir a été la constante de mon action publique, aujourd'hui comme hier, aux différentes responsabilités que j'ai eu l'honneur et le privilège d'exercer et d'assumer au service du pays. Fidèle à son idéologie politique, le membre du bureau politique du PDG dit avoir désormais une nouvelle ambition de développement pour répondre aux attentes de la population.